Je vais présenter le deuxième livre. Chérif m'a fait l'amitié d'en parler, il aurait pu en choisir d'autres. Je salue évidemment l'assistance. En rappelant pour le SG du SAES, voilà, tu vois, il parlait de déménager là-bas. Je te disais qu'il fallait améliorer le café. Tu as du sérieux concurrent. En plus. Voilà, donc félicitations, Chérif. Hein. Je lance une pointe là. En tout cas, là, je disais aux musiciens qu'il fallait jouer un air mangain. Durant tout le livre, vous vous amusez à dire fladou, fladou. Est-ce que c'est pas le fladou pacao? C'est ça, oui, c'est le fladou pacao. Vous passez tout votre temps d'ailleurs à faire des misères aux parents de mon père, mais ça, c'est pas grave. Donc, félicitations pour mon ami Chérif qui a généreusement amasser une parole qu'il distribue donc de manière laborieuse. Nous ne sommes ce que nous avons à être que quand nous écrivons, nous les universitaires. Nous ne sommes ce que nous avons à être que quand nous écrivons et la production de ces deux livres nous rappelle cette vérité. Le livre dont je vais parler est subdivisé en trois parties. La première partie, c'est une enquête sur les aires culturelles qui constituent le cadre. La deuxième partie, c'est la présentation des catégories socio-professionnelles. La troisième partie, c'est la présentation du corpus. Et c'est la troisième partie qui nous intéresse. Parce que l'analyse est stimulante, elle est pénétrante. On peut lire le texte sous divers angles. On peut le lire comme un texte d'histoire. Et là, on s'appuierait sur les travaux d'épistémologie historique qu'il connaît très bien chez Christophe Comion, Michel Desserteau, Paul Wien, il les connaît très bien. On peut lire le texte comme un manuel de socio-anthropologie, et c'est ce dont il s'agit. On peut également lire le texte comme une anthologie poétique. Moi, je défends les droits de la littérature, donc je vais le lire comme une anthologie poétique. Chérif, son texte prend les allures d'une défense de la littérature. Défense de la culture, défense de la littérature. Nous connaissons Senghor qui écrit en parlant du Congo qu'il envisage comme femme, corps d'huile imputrescible à la peau de nuit d'Amati. Nous le connaissons qui regarde la femme, qui est charmée par ses cheveux, qui écrit à l'ombre de ta chevelure, s'éclaire mon angoisse au soleil prochain de tes yeux. La femme passe immédiatement, il la regarde, il retire le détail, les boucles d'oreilles en or, il dit pas boucles d'oreilles en or, il dit et les abeilles d'or sur tes cheveux d'ombre bourdonnent comme des étoiles. Et là, on a une poésie qui consiste à manier les mots. Mais nous avons été déformés par l'école occidentale, c'est ça le mythe de ce chien. Nous avons été déformés par l'école occidentale, il nous apprend que les poètes dont il parle sont tout aussi bons que Senghor. Il crée un travail poétique qui est un travail qu'il faudrait admirer. Vous savez, Houssaine Faye a parlé de la langue, le doyen a couru ici pour parler d'espace, on se retrouve toujours sur un territoire. Chérif défend le territoire de la langue. La production littéraire qu'il va recueillir, traduire et présenter d'une certaine façon, nous on ne soupçonnait ni l'existence, ni la saveur, encore moins l'élégance. Tous les poètes dont il nous parle sont d'abord des poètes, ils ont fait un pari sur le mot, parier sur le mot. Et là il faudra dire une chose. Il nous montre qu'on fait de la littérature non pas avec des idées, mais avec des mots, avec des mots, avec des mots. La Bible et le Coran nous disent Dieu a créé le monde en 6 jours. C'est ça la base. Il a créé le monde en 6 jours. Mais je vous lance un défi là. Qui peut me montrer un passage dans lequel il travaille? On va me dire, oui, il a travaillé de 8h à midi, il a utilisé des bûcherons, on a pris du bois. Non, non, il est poète. Poète, ça se fabrique, il fabrique avec le langage. Et c'est justement ça le problème. Quand il dit arbre, on entend arbre, mais on voit immédiatement l'arbre. Moi, je serais heureux de dire conférence, de laisser la conférence se dérouler tout seul. Lui, il serait heureux de dire rythme d'eau et de savane et de laisser le livre s'écrire tout seul. Il ne peut pas. Donc, on est obligé de travailler sur les mots. Les catégories socio-professionnelles dont il parle maintenant, les tisserands, les forgerons, les bûcherons, les cordonniers, les pasteurs, ce livre a une intense activité de création. Malheureusement, cette création est perdue. Et le livre a plusieurs mérites, j'en citerai juste 3.
il a le mérite de sauver des textes. Des textes destinés à l'oubli, il les sauve, il les traduit. Deuxièmement, c'est essentiel, Chérif a l'habitude de regarder dans la marche, là où nous n'avons pas l'habitude de regarder. Nous regardons ce qui est visible, ce qui est fangant, comme disait Wolof, mais lui, il regarde dans les marches et il trouve des choses admirables. C'est un archéologue qui n'agit que sur ses propres instructions. Il ne reçoit pas d'instructions, il agit sur ses propres instructions. Troisième mérite du livre, le livre a un caractère essentiellement poétique. Les poètes dont il nous parle donc sont des poètes qui annoncent la rupture, c'est une esthétique de la déniance. Ils ne nous disent pas ce qu'on attend, ils sont dans l'inattendu. C'est pourquoi ils sont des poètes, c'est pourquoi tout à l'heure je parlais de Senghor. Quand il dit « je vois l'odeur des roses », on aurait attendu « je sens l'odeur des roses ». Mais s'ils nous disent ce qu'on attend, ce ne sera plus de la poésie. Les poètes dont ils parlent s'installent dans l'inattendu, provoquent la rupture, provoquent la déviance, provoquent une forme de défiance. C'est essentiellement ça. Dans la sémiotique dont parlait M. Faye du livre, il y a le mot défiance qui est défiance et déviance qui sont des mots essentiels. Hein. Parce que, par exemple, dans la religion chrétienne, le mot essentiel de la sémiotique, c'est la charité. Charité. C'est la charité. Remets ton épée au fourreau. Ceux qui frappent par l'épée périront par l'épée. Tends la joue gauche si on te frappe sur la joue droite. Entre parenthèses, Sartre. J'ai encore Sartre qui dit non. Si on frappe sur la joue droite, je ne tends pas la joue gauche, je réplique à deux mains. Parce que c'est le moral de charité n'est pas la mienne, c'est lui qui dit ça. Mais de toute façon, au cœur du texte, il y a la charité. Remets ton épée au fourreau, il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Les poètes dont il parle font une déclaration d'indépendance. Et c'est intéressant d'analyser le rapport à l'islam. Il utilise l'islam d'habitude comme beaucoup de Sénégalais, comme un vernis. Dès que vous les touchez, ils retournent au paganisme, ils retournent à leur fond païen. Et les poètes dont ils parlent maintenant ont des racines essentiellement païennes. L'univers négro-africain est un réseau de forces. C'est un univers guerrier. Il y a une protection mystique dont ils parlent dans l'intérieur du livre. Et ce qui est essentiel, je disais tout à l'heure au doyen que nous, on faisait juste de la publicité. On n'a pas le droit de résumer ce qu'il y a dans le livre, sinon les gens ont fait juste de la publicité. C'est une parole chantée, chantée. L'artiste nous a donné un exemple tout à l'heure. Parole chantée. Je crois que c'est Nietzsche qui écrit que sans la musique, la vie serait une erreur. Sans la musique, la vie serait une erreur. Les poètes dont parle le Chérif, c'est entre l'oralité, la musicalité. Le poème est un chant collectif, collectif, puisqu'il est un art social, un art collectif, un art utilitaire. Les bardes, les chansonniers, les poètes, les compositeurs dont ils parlent sont des héritiers de Guéli Mamadi Kouyaté dans le fameux texte que vous connaissez. Donc c'est une poésie de la dérive, de la subversion, du latin verter, on en a parlé tout à l'heure, de l'audace. Tous les verrous vont sauter. Le poète est affranchi des pesanteurs, des limites, des conventions. Et Chérif nous montre comment il exprime une parole dont on ne soupçonnait même pas l'existence. Il ose exposer des paroles que la décence m'interdit de prononcer. Je croyais avoir tout lu avec Rimbaud, avec Baudelaire, avec l'Otreamo, que vous connaissez normalement. Il va très loin, très loin dans la déviance, mais ces poètes dont parle le Chérif, ils n'ont plus aucune limite dans leur liberté. C'est un régulateur social qui a une bonne connaissance du milieu, et sa poésie, c'est ça qui est essentiel, fonctionne comme le lieu de convergence de l'ensemble des turbulences qui agitent la société. C'est une réponse poétique aux événements, une réponse poétique à l'histoire. Et pour ne pas être taxé de bavardage intempestif, c'est mes derniers mots. Le travail de Chérif est un travail très très fouillé, qui est écrit avec la plus sérieuse des déterminations. Les tisseurs, les pêcheurs, les chasseurs, les griots, les compositeurs dont il parle, c'est des poètes, mais c'est également des 10 heures d'entêtement, c'est des 10 heures d'exigence. Et ils veulent tous tant qu'ils sont, restaurer l'espérance qui est le plus beau mot du langage humain après l'amour. Je vous redonne la parole.